Tak, dobrý den všem. Bonjour à tout le monde. Všechny vás tady moc vítáme. Je to první webinář, který je ve francouzském jazyce. Vous êtes bienvenue à notre webinaire, ce qui est le premier en langue française. Tyto webináře opakujeme průměrně každý měsíc. On révise ces webinaires chaque mois, c'est toujours à peu près un par mois. Na začátek bych se chtěl představit, jmenuji se Michal Kovář a jsem jeden ze společníků společnosti Essence Europe. Alors au début, j'aimerais bien de me présenter. Moi, je m'appelle Michal Kovář et je suis le propriétaire de Essence World. Říkám to dobře? Může být. Potom je to Andrea Tomanová, která je manažerkou pro francouzsky mluvící země. Après, c'est moi. Alors, bon après-midi. Moi, je m'appelle Andrea Tomanová. Je suis responsable maintenant de la succursale française. Dneska vám ještě představíme dva hosty. Prvního už vidíte, ale než se k němu dostanu, tak vám ještě něco řeknu o struktuře těch webinářů, protože pro francouzsky mluvící distributory je to dnes poprvé. Alors aujourd'hui, on sera plus. Il y aura deux autres responsables de séparés projets. Mais avant que je commence, j'aimerais bien de vous dire plus d'informations parce qu'on parle de notre premier webinaire en français. Takže, jak jsem již říkal, tyto webináře bývají průměrně každý měsíc. Comme j'ai déjà dit, ce webinaire prend lieu chaque mois, à peu près. Vždycky se tam dozvíte o nějakých novinkách, ať už z oblasti produktu, nebo z oblasti našeho systému, nebo marketingového plánu, nebo prezentací. Toujours vous allez recevoir d'informations nouvelles sur les plans de rémunération, de nouvelles sur les produits, etc. Vždycky je to taková příležitost, abyste měli v těch informacích nějaký drobný předstih a mohli jste s těmi informacemi dále pracovat. Ce sont toujours les informations que vous aimeriez bien d'avoir en avance, quand vous pouvez après travailler avec les informations et vous pouvez le distribuer dans votre réseau. A taky je důležité, když se zatím nemůžeme potkávat osobně, tak abychom se vídali aspoň tímto způsobem. Et ce qui est important aussi, c'est de vous rencontrer même vous à cet webinaire, parce qu'on ne peut pas se voir maintenant personnellement. A co vás dnes čeká? Et ce qui vous attend aujourd'hui? Za chvíli předáme slovo Petrovi Feiglovi, který je vedoucím nebo ředitelem projektu Essence Travel. Le premier présentateur sera Petr Feigl, ce qui est responsable pour le projet Essence Travel. Takže si pro vás připravil malou prezentaci, aby vám ukázal, jaké jsou aktuální možnosti tohoto projektu. Et il a présenté une présentation où il va vous montrer de possibilités, comment utiliser le point et comment travailler avec ce projet Essence Travel. Potom se spojíme s dalším hostem, kterým je Pavel Kortán. Je to náš make-up artista a vedoucím projektu dekorativní kosmetiky. Après, on va se connecter avec notre présentateur qui s'appelle Pavel Kortán et il est responsable de notre projet pour la cosmétique décorative et il va vous présenter quelques nouvelles pour les produits de la cosmétique décorative. Představí vám takový náš pilotní projekt, který se jmenuje Essence Boudoir a dozvíme se možná i nějaké novinky k dekorativní kosmetice, přesněji k produktové řadě Must Have Edition. Il va vous présenter de nouvelles pour les, comme on a déjà dit, pour la cosmétique décorative. Spécifiquement, il va parler de la gamme de produits Must Have Edition. Et vous allez voir.
Pak se vrátím já a řeknu vám něco k nové produktové řadě, která nás brzy čeká, a ještě vám tam povím něco o nově otevírající pobočce v Irsku. Et après, ça sera moi. Et je vais vous présenter quelques nouvelles sur la nouvelle gamme de produits qui va venir bientôt. Et aussi pour la nouvelle succursale qu'on a ouverte en Irlande. Tak, užijte si dnešní webinář a předávám slovo Petrovi. Alors, profitez bien de notre webinaire d'aujourd'hui et je transmets mon mot à Petr. Dobrý den, zdravím vás z Prahy. Bonjour, mes salutations de Prague. Jsem rád, že jsem dostal příležitost vám tady říct o možnostech portálu Essence Travel, který připravuje pro vás nabídky letenek a nově od 20. července i hotelů. Je suis ravi de vous présenter la nouveauté de notre projet Essence Travel, qui va vous présenter les possibilités d'utiliser les réservations pour hôtel et aussi les réservations pour les billets d'avion. Pojďme se dostat k těm hotelům, to je nový projekt, který odstartoval 20. července. On va commencer avec les réservations de l'hôtel, ce qui est le projet nouveau qui a commencé le 20 juillet. Hlavním partnerem tohoto projektu pro nás dodavatelským, to znamená ten content, od koho máme, je společnost booking.com. Notre fournisseur avec lequel on a le partenaire, c'est la société booking.com. Na více hotelů máme tedy více než 1,5 milionů hotelů a jenom ve Francii je to více než 20 tisíc. Alors, on propose plus de 20 millions hôtels et pour la France spécifiquement, c'est kolik je to pro tu Francii, prosím? Jak si projekt stojí? Od 20. července máme více než 160 rezervací a k dnešnímu dni je jich více než 200. Alors pour ce moment, on a plus de 200 réservations de l'hôtel. Efektivita tohoto projektu je přibližně dvojnásobná oproti letenkám. Le plus les membres utilisent le plus le les réservations d'hôtel que les réservations de billets d'avion. Nejčastěji u nás hledají hotely obyvatelé nebo skupina Essence sítě z Velké Británie. Druzí jsou Italové a třetí Španělé. Ale le plus fréquent qui cherche les hôtels, ce sont les membres de la Grande-Bretagne. La deuxième place c'est l'Italie et la troisième ce sont les membres d'Espagne. Essence síť ve Francii zatím dělá 1%, ale věřím, že se tato číslo určitě zvýší. Pour nous, pour la France, c'est que 1% de tout le graph, mais on espère que ça va bientôt augmenter, élever, il y aura plus de réservations. Nejčastěji tedy objednávají, tedy už konkrétní rezervace mají obyvatelé Velké Británie. Comme on a déjà mentionné, le plus réserve les membres de la Grande-Bretagne. A k dnešnímu dni je celková hodnota všech rezervací přibližně 39 000 eur. Et jusqu'à aujourd'hui, la valeur totale des réservations, c'est plus que 35 000 euros. Co je výborné, je, že členové skupiny Essence si dopřávají vyšší kvalitu hotelů. Ce qui est super, c'est que les membres de Club Essence prennent la plus de qualité de l'hôtel. Cena jedné noci je v průměru 120 eur. Le prix moyen pour l'hôtel par nuit, c'est à peu près 120 euros. Celoevropský průměr mimo síť Essence je přitom jenom 80 eur. Et hors le réseau Essence, c'est moins que 40 euros. Co je velmi dobré, je to, že od začátku nám vzrostla kvalita těch rezervací až na 87%. Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que la qualité des réservations d'hôtel a augmenté
c'est maintenant plus que 40%. I v této složité době pro cestování je pouze malé procento lidí, kteří svou rezervaci zruší. Même aujourd'hui, quand c'est un peu difficile de voyager, il n'y a pas beaucoup de monde qui annule les réservations, ce qui est très bon pour nous. Kam vlastně ty lidé z Essence cestují? Nejčastěji je to Anglie, 53%. Le plus visité pays où ils font les réservations, c'est encore le Royaume-Uni, alors la Grande-Bretagne. Ale vidíte, že téměř 3% rezervovaných hotelů jsou ve Francii. Mais vous pouvez voir bien sur l'écran que presque 3% ce sont les réservations d'hôtels en France. Pojďme k letenkám. Jaké jsou nejčastěji vyhledávané letenky v rámci Essence Travel sítě? Et maintenant pour les billets d'avion, on voit sur l'écran les plus populaires liaisons aériennes dans notre réseau Essence. Nejsilnější zemí v rámci Essence sítě v nákupu letenek je rozhodně Rusko. La plus grand réseau, c'est bien sûr la Russie. Zde vlevo vidíme pět největších nákupčích letenek za poslední tři měsíce. Alors, encore sur l'écran, vous pouvez bien voir les meilleurs acheteurs de billets d'avion pour les trois derniers mois. I v této době těchto pět lidí nakoupilo za poslední tři měsíce více než 90 letenek. Même dans cette époque, on achetait plus que 90 billets d'avion. V pravém grafu vidíte kvalitu objednávek, to znamená procento objednávek, které byly reálně objednány a zaplaceny z celkového počtu. Alors, ce que vous pouvez voir dans le graphe à droite, c'est la qualité de par pays. Vous pouvez voir que en Italie, par exemple, ils ont acheté et ils ont vraiment effectué presque 80% de réservations. Jaké nejčastější dotazy dostáváme na náš zákaznický servis? Quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on reçoit dans notre service clientèle? Kolik bodů získám při rezervaci hotelu je velmi častá otázka. La première, c'est combien de points vous obtiendrez lors de la réservation d'un hôtel. C'est très fréquent. Ten počet je velmi jednoduchý. Za každých utracených 8 eur je to jeden bod. Alors, c'est très simple. Pour tout 8 euros, c'est un point. Některé hotely si účtují takzvaný depozit, ale ten depozit je vždy vratný. Není tam tedy žádné riziko. En ce qui concerne les frais supplémentaires, il y a quelques hôtels qui facturent les dépôts avant, en avant, mais il n'y a pas de risque parce que ça va toujours être remboursé à vous. Hotel nikdy neplatím při rezervaci, platím vždy až po skončení pobytu přímo na recepci. Alors jamais vous ne payez l'hôtel quand vous effectuez la réservation, vous payez toujours quand vous êtes à l'hôtel, à la réception. Mohu platit pomocí platební karty anebo v hotovosti. Si vous pouvez effectuer le paiement par virement bancaire, non, parce que il faut payer que avec la carte bancaire et en espèces. Velmi častou otázkou je, dokdy můžu stornovat svoji objednávku hotelu. Ce qui est très fréquent comme la question, c'est jusqu'à quand je peux annuler ma commande. Každý hotel má svá pravidla a při objednávce vždycky vidíte nejzazší datum, dokdy můžete objednávku zrušit. Chaque hôtel a ses propres règles, alors vous toujours voyez cette date avant qu'il faut faire l'annulation dans le même temps quand vous effectuez la commande. Díky situaci na trhu je velmi častou otázkou, jak je to s vrácením peněz u zrušených letenek. Alors, faute à cette situation au marché pour cette époque, il y a beaucoup de questions sur les billets d'avion annulés, comment vous allez rembourser l'argent. U velkých aerolinek, jako je Air France, KLM nebo Lufthansa, je to až 90 dní. Quand on parle de aériennes sociétés comme Air France, KLM ou Lufthansa, on parle à peu près de 90 jours.
U low-costových dopravců, jako je Ryanair, EasyJet, je to až půl roku. Quand on parle de low-cost aériennes sociétés, par exemple Ryanair ou EasyJet, on parle de 6 mois à peu près. Tato pravidla řídí výhradně aerolinky, ale slibuji za nás, že budeme s nimi bojovat, abyste své peníze dostali co nejdříve. Ces règles sont faites par les sociétés aériennes, mais je vous promets que quand vous avez besoin de remboursement, on va faire le meilleur pour vous aider. Jak je to s cestováním nyní? Et comment on fait aujourd'hui, actuellement, avec la situation de COVID-19? Ve srovnání s loňským rokem poklesl počet letů více než o polovinu. Alors, comme vous voyez sur l'écran, par rapport à l'année dernière, il y a environ 40% des vols en Europe, alors c'est moins que l'année dernière. Ale vnitrostátní lety v jednotlivých zemích jsou víceméně bez omezení. Mais ce qui est bien que les vols intérieurs sont toujours disponibles. Více než 90% hotelů v Evropě je stále otevřených. Et plus de 90% des hôtels en Europe sont toujours ouverts aujourd'hui. A jak jsem říkal, ve Francii máme k dispozici více než 20 000 hotelů k rezervaci. Et comme j'ai déjà dit, on propose plus que 20 000 hôtels en France. Navíc ceny ve srovnání s loňským rokem jsou přibližně o 25 až 30% nižší. De plus, les prix sont plus bas que l'année dernière kolik jste říkal procent? 25 až 30%. À peu près de 25 jusqu'à 30% sont les prix plus bas. Je tedy možné za velmi dobré ceny využít cestování v rámci vlastní země. Alors ce qui est très bon aujourd'hui, que vous pouvez bien profiter de voyager dans votre pays, pas voyager à l'étranger, mais profiter de prix bas maintenant. Dále v prezentaci můžete vidět různá hygienická opatření, ale ty už jsou všeobecně známá. On a aussi donné ou mentionné les restrictions hygiéniques, mais c'est très populaire, il faut pas les répéter. Pokud byste chtěli jakékoliv dotazy nebo měli jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à notre service clientèle. Já vám děkuji moc za pozornost, bylo mi ctí pro vás přednášet a přeji vám hezký zbytek večera. Merci beaucoup pour votre attention. C'était très agréable de vous présenter mon projet. A předávám slovo Pavlovi Cortanovi. Et je transmets à Pavel Cortan. Tak, děkujeme Petrovi. Merci à Petr. A teď počkáme, než se nám připojí Pavel Cortan z našeho Essence Budoáru. Už ho tady máme, takže mu předávám. Bonjour à tout le monde. Já vám dneska představím náš krásný nový projekt. Maintenant, je vais vous présenter notre nouveau projet, ce qui est très, très, très joli. Jde o takový prostor, kde se budeme setkávat za účelem tvoření nových prezentačních fotografií na sociální sítě. C'est un local qui est dessiné pour faire effectuer notre rencontre et pour bien faire les photos, des présentations et les photos pour les réseaux sociaux. Právě protože dnešní doba je taková, jaká je, a to cestování asi pravděpodobně nebude jednoduché. Et parce que l'époque ou le temps aujourd'hui est pas très facile, c'est un peu compliqué et les voyages sont un peu plus compliqués. Jsme se rozhodli, že vlastně vytvoříme projekt, který bude mít krásný design a můžeme z něho vysílat, dělat různé semináře a hlavně zkoušet nebo vlastně dělat videa how to use, jako jak užívat ty naše produkty dekorativní kosmetiky. On a décidé de créer ce local qui va bien aider de vous montrer les nouveaux produits, les nouveaux possibilités tout ce qu'il faut quand on peut pas se voir personnellement. Zároveň s tím taky souvisí náš Instagram a sociální sítě, které teďka projdou výraznou změnou. Je voudrais aussi mentionner les réseaux sociaux qui sont maintenant en change.
Já vám potom ukážu v prezentaci, jak to zhruba bude vypadat, ale dovolte mi, abych vás přivítal do Essence Boudoiru. Alors, je vais vous montrer plus tard pour les réseaux sociaux dans la présentation. Maintenant, bienvenue à notre boudoir. Et voilà. Jak vidíte, zatím jsem za výlohou. Mm-hmm. Comme vous pouvez voir bien, je suis à extérieur. No. A teďka jsme už vevnitř. Et maintenant, on est entré dans l'intérieur. Voilà. Tak, myslím si, že to vypadá krásně. Je to velice takový elegantní prostor. On parle vraiment d'un lieu très élégant, c'est très chic. Vlastně pomáhala nám s jeho realizací jedna z nejznámějších českých bytových architektek. On a coopéré avec une célèbre tchèque architecte. Kladli jsme důraz na to, aby tady bylo spoustu českých výrobků, protože my jsme česká firma, ale přesto všechno jsme si od vás půjčili z Francie, aspoň název. Alors, ce qui était important pour nous, avoir beaucoup de choses, de meubles et tout ça, tchèque, parce que nous sommes la société tchèque, mais le nom de Boudoir, bien sûr, on a prêté de vous, France, Boudoir. Takže vám moc děkujeme. Alors merci beaucoup pour ça. Co se týká produktů, tak tady právě na tomto místě budeme produkty krásně prezentovat. Myslím si, že nám to prostředí dovolí udělat jako hezký design. Comme vous voyez bien, on va placer ici les produits parce que c'est très bien design et ça a l'air très très bon ici. Ano. Takže tady máme vlastně veškeré portfolio našich výrobků a budeme ho zpracovávat právě na sociální sítě a budeme zároveň s ním dělat videa tak, aby se vám nějakým způsobem zjednodušil prodej přes sociální sítě, abyste ten design, rozumíš mi, co chci říct, prostě aby ten design prostě byl krásný už od nás. Alors, comme vous voyez bien sur la caméra, ici on va présenter tous les produits, on va faire un petit vidéo pour les réseaux sociaux pour qu'on peut faciliter vous de distribuer les produits, de présenter les produits, et voilà. Co se týká nové kolekce řady dekorativní kosmetiky, která se jmenuje Must Have Edition. En ce qui concerne la nouvelle gamme de produits qui s'appelle Must Have Edition. Tak je to vlastně řada, kterou jsme vytvářeli právě asi rok. C'est une gamme de produits dont on a travaillé presque un an. A vlastně snažili jsme se ji vytvořit tak, aby byla kombinovatelná vlastně s jakoukoliv kosmetikou a zároveň, aby to portfolio bylo natolik skvělé, že si v něm každá žena vlastně najde svoje oblíbené kousky. On a fait des efforts pour que la collection, la gamme des produits est très riche et aussi que chaque femme va trouver ses produits préférés et favoris. No a dovolte mi, abych vám pár těch produktů ukázal a už vás navnadil, protože už teď můžu slíbit, že v polovině listopadu už by to zboží mělo být u vás. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter quelques produits. Comme ça, vous allez être motivé de voir ces produits. Et on espère qu'en moitié du mois de novembre, la marchandise sera déjà chez vous. Tak. Takže teďka vlastně přichází ukázka těch produktů. Maintenant la présentation de produits. Jak vidíte, tak ten design je velice takový elegantní a jednoduchý. Comme vous pouvez voir, le design de produits, c'est très élégant et très simple. Vlastně balení je velice takové jako čisté, je tam jenom nápis té kolekce. Même les emballages sont très simples. Il y a juste le nom de la gamme de produits, Must Have Edition. No a co se týká řady na pleť, tak řada na pleť se jmenuje Second Skin. Pour la gamme de produits sur la peau, ça s'appelle, jak se to jmenuje ještě jednou? Second Skin, jakože druhá kůže. Ça s'appelle Second Skin.
Tak, vlastně máme tady BB krém, který má 25 sluneční ochranný faktor a zároveň vitamin E, takže pečuje o vaši pokožku. Je commence avec la crème bébé qui a le facteur protectif de soleil 25 et qui protège bien notre peau. Potom tady máme taky podkladovou bázi pod make-up, která se dá kombinovat s jakýmkoliv produktem. Ici on a le fond de teint qui peut être combiné, adapté avec tous les produits. Ça aussi sur la peau, bien sûr. Pak vlastně jako make-up, nevím, jestli jste znali ten náš původní, ale my máme inovovanou texturu, která podle mě bude vypadat na pleti každé ženy naprosto nádherně. Maintenant, c'est notre nouveau make-up. Je ne suis pas sûre si vous avez connu le précédent, mais ça, c'est vraiment mieux qualité et c'est très bon pour tous les peaux de vous, femmes. Odstínu make-upu máme 8 kusů, takže si tam najde i ta nejsvětlejší pleť a i ta opálená pokožka svůj odstín. Et on a 8 couleurs de make-up, alors il y a vraiment le choix pour toutes les femmes. Toutes les femmes. Co se týká rtu, tak jsme se rozhodli, že vybereme 6 nejoblíbenějších barev rtěnek. En ce qui concerne les rouges de lèvres, on a décidé de choisir les 6 couleurs qui ont été les plus populaires. A dáme jí vlastně úplně nový kabátek. Et l'emballage est aussi nouveau. Très élégant. Stejně tak úplně nový inovativní produkt, jak vidíte, tak je to balzám v tuze. Je to balzám na rty, který voní po různých druhách ovoce a má takovou jemnou barvu, ale intenzivní hydrataci. Et ce qui est nouveau, on a 6 couleurs de balm à lèvres et il y a le goût de fruits et c'est très bon pour la lèvres parce que ça a la protection hydratante. Tak, super. A další zboží, které si můžeme ukázat, jsou naše unikátní a extra držící matné rtěnky. Après, il y a 6 couleurs de rouge à lèvres qui sont plutôt mat. Zase jsme vybrali těch 6 nejoblíbenějších odstínů, ale neznamená to, že v limitovaných kolekcích nebudeme přidávat nějaké odstíny. Encore, on a choisi le plus populaire couleur, aussi 6, mais ça dit pas qu'on va pas ajouter les autres. No a na závěr bych se chtěl pochlubit ještě řasenkama. Kartáček vám zatím neukážu, ale jedna je zhušťující a jedna je krásně prodlužující. Et pour la fin, on a aussi deux nouveaux mascaras. Voilà. No a já, jestli můžu poprosit mého kolegu, aby už tam pustil prezentaci. Maintenant on va passer pour la présentation. Tak, jak vidíte, tak vlastně takto vypadá zhruba naše logo Essence Boudoir. Alors vous pouvez bien voir sur l'écran que c'est notre logo Essence Boudoir. Tak a to už je to, o čem mluvím. Přesně Essence Boudoir nám dá prostor dělat krásné fotografie, které budete moct používat vy na svoje sociální sítě a usnadníme vám tak vaši prezentaci. Et c'est ça de quoi je parlais avant, parce que ce lieu va nous permettre de présenter le produit dans un lieu très bien. Tak, čeká nás určitě taky spousta videokonferencí a budeme se snažit sdílet i nějaké prezentační videa, jak se líčit prostě přímo odsud z budoáru. Et on va faire aussi des présentations, des petites vidéos, comment faire le maquillage, une petite formation de ma part et tout ça. Ça va atteindre, ça va arriver bientôt. Tak a tady vidíte už, jakým způsobem bude prezentovaná naše kosmetika. Myslím si, že vás čeká nádherný katalog. Et ici, sur les photos, vous pouvez bien voir comment on va présenter cette cosmétique décorative. Je pense que le catalogue, c'est vraiment très super. Tak, tady máme samozřejmě k tomu, aby ta kosmetika byla úspěšná a podařilo se nám alespoň trošku napodobit úspěch našich dokonalých parfémů. Alors notre rêve est de vraiment essayer d'être très bon comme on est dans le parfum. Potřebuji od vás pomoc. On a besoin de votre aide, bien sûr.
Jestli můžete, prosím, sledujte tyto dva profily Essence Boudoir a Essence Beauty Official, protože nás tam čekají velké změny a já budu čekat na podporu od vás. Alors, si vous pouvez, je vous demande, je vous prie de suivre ces deux profils sur Instagram, c'est Essence Boudoir et Essence Beauty Official. Et ici, j'aimerais bien si vous me donnez quelques feedbacks ou quelques opinions dans tout ça. Takže to je o Essence Boudoiru všechno, vážení přátelé. Alors c'est tout de ma part sur Essence Boudoir et sur la cosmétique décorative. Moc se těším, že nás čekají krásné nové produkty a že s nima budete šťastní a že od vás budeme dostávat zpětné vazby. Je suis très ravie de vous présenter ces nouveaux produits et je suis très ravie aussi d'accepter de quelques feedbacks de votre part. Comme ça, on va créer quelque chose vraiment très super. No a pevně věřím, že se brzy uvidíme naživo, protože Francie je moje velká láska. Et je crois qu'on se voit bientôt personnellement parce que j'aime bien la France. C'est super, c'est mon amour. Děkuji za váš čas. Merci pour votre temps et pour votre Merci. Alors, on entend Monsieur Kovács. Oui, il est là. Mikrofon, neslyšíme vás. Už mě slyšíte. Ano, už vás slyšíme. Děkujeme Pavlovi Cortanovi. Merci beaucoup à Pavel Cortan. A teď bych chtěl představit první tři nové produkty z nové produktové řady Essence syrupů, které budou dostupné v první polovině měsíce listopadu. Alors maintenant j'aimerais bien de commencer avec la gamme de produits nouvelles qui va présenter trois nouveaux produits qui seront disponibles en la moitié du mois de novembre. Tak prvním produktem je syrup s názvem Immunity System. Voilà, le premier produit, c'est le syrup qui s'appelle Système Immunitaire, Immunity System. Základní složkou tohoto syrupu je extrakt z aceroli. La composante la plus utile de ce syrup, c'est extrait d'acerola. Acerola nebo extrakt z aceroli, je to vlastně ve skutečnosti extrakt z plodů tropické třešně. En fait, quand on parle de du extrait de d'acerola, c'est un extrait de fruits de cerise tropicale. A acerola je považována za nejbohatší přírodní zdroj vitamínu C. Et acerola est la source naturelle de vitamine C la plus riche. A jaké jsou výhody vitamínu C? Alors les avantages de vitamine C? Vitamin C přispívá ke správné funkci imunitního systému a ochraně buněk před oxidativním stresem. Alors la vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Et aussi, elle contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Dále přispívá k tvorbě kolagenu. Encore, elle contribue à la formation de collagène. Pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání. Et il aide aussi à réduire la fatigue et l'épuisement. A přispívá k normální činnosti nervové soustavy. Et en plus, il contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Další složkou tohoto syrupu je oligonukleotid z kvasinek. Alors l'autre élément de ce syrup, c'est le oligonucléotide de levure. Tato látka obsahuje všechny vitamíny skupiny D. Et ce élément contient toutes les vitamines de la groupe B. A vitamíny D
příznivě ovlivňují imunitní systém. Ce vitamine a très positif effet sur le système immunitaire. Jsou vhodné při zvýšené únavě a depresích. Elles sont aussi très utiles en cas de fatigue accrue ou en cas de dépression. A zlepšují stav nechtů a vlasů. Et de plus, ils améliorent l'état des ongles et des cheveux. Dalším produktem z této produktové řady je sirup s názvem Antistress. Alors, l'autre produit de cette gamme de produits, c'est le deuxième sirup qui est Antistress. Zde se můžeme setkat s dvěmi patentovanými látkami. Ici, on a deux éléments très utiles. Tou první patentovanou látkou je Afron. Le premier élément standardisé, c'est Afron. Afron se získává z extraktu šafránu. On obtient Afron de extrait de safran. A je standardizovaný pomocí HPLC na leptikrosalides, což je další patentovaná látka. Ce qui est important ici, c'est qu'il est standardisé par HPLC sur les leptikrosalides, ce qui est aussi un composant très utile. Což je bioaktivní sloučenina. Ce sont les composés bioactifs. Která pomáhá relaxaci, duševní a fyzické rovnováze a udržení pozitivní nálady. C'est très bon parce que ça aide à la relaxation, à l'équilibre mental et physique et aussi ça maintient une humeur positive de notre corps. Další složkou v tomto syrupu je opět acerola, kterou už známe z minulého produktu. Mm-hmm. Dans ce produit, il y a aussi acerola qu'on déjà connaît de produits précédents. A potom je to aminokyselina s názvem tryptofan. Et après, c'est un acide aminé qui s'appelle tryptophan. Která je potřebná pro každou tělesnou buňku. Donc, on a besoin pour toutes les cellules du corps. Tělo s pomocí tryptofanu vyrábí klíčové neurohormony serotonin, melatonin, enzymy, vitamíny řady B3 a tisíce dalších látek. Alors, grâce à tryptophan, le corps produit le neurohormone clé, la sérotonine, la mélatonine, les enzymes et aussi toutes les vitamines de la gamme B3 et de milliards d'autres substances. Co je ještě zajímavé, tak tryptofan v kombinaci s vitaminem B6 přispívá k normální psychické činnosti, ke snížení míry stresu, únavy a vyčerpání. Ce qui est aussi intéressant, que tryptophan en combinaison avec la vitamine B6 contribue à une activité mentale normale pour réduire le stress, la fatigue et aussi l'épuisement. A třetím syrupem je syrupem antioxydant. Et le troisième produit de la gamme de syrup, c'est l'antioxydant. Tady se nachází extrakt silymarin. Il contient l'extrait de silymarin. Tato účinná látka se nachází v léčivé rostlině Silibum marianum. Cette substance active se trouve dans la plante médicinale qui s'appelle Silibum marianum. Česky je to ostropestřec mariánský. En Czech on dit Chardon Marie. A s touto látkou jste se mohli setkat už v jiném našem produktu, a to je koncentrát z aloe vera. Vous pouvez déjà vu cette substance dans notre produit de aloe vera. Tak a tento extrakt silymarin zlepšuje funkci jater a podporuje regeneraci jaterních buněk. Ce extrait de silymarin, il améliore la fonction hépatique et favorise aussi la régénération des cellules hépatiques.
Dále detoxikuje organismus. En plus, il detoxifie le corps. A má výrazný antioxidační účinek. Et il a aussi un fort effet antioxydant. Dále se v tomto sirupu můžeme setkat s extraktem javatý. Un autre élément qui est dans ce sirop, c'est extrait de thé de java. Což je velmi účinné přírodní diuretikum. Qui est très efficace comme le diurétique naturel. Používá se při onemocněních močového měchýře a ledvin. Comme on voit bien, elle est utilisée en cas de troubles de la vessie et des reins. Včetně bakteriálních infekcí a ledvinových kamenů. Y compris les infections bactériennes et les calculs rénaux. Problémech s játry a žlučníkem. Aussi en cas de problèmes de foie et de vésicule biliaire. Včetně žlučových kamenů. Y compris les calculs biliaires. A na léčbu dny a revmatismu. Et on l'utilise aussi pour traiter la goutte et le rhumatisme. V této produktové řadě do konce roku se ještě můžeme setkat s jedním produktem, a to je sirup určený pro děti. Dans cette gamme de produits, on va encore rencontrer jusqu'à la fin d'année un sirop qui va être destiné aux enfants. A po novém roce přijde sirup na zvýšení energie. Et après l'année nouvelle, on va avoir un autre sirop qui va augmenter notre énergie. Tak, a poslední informaci, kterou pro vás dnes mám, je informace o tom, že do konce týdne otevřeme novou pobočku, a to v Irsku. Et la dernière information de ma part sera sur la succursale en Irlande, qui sera ouverte jusqu'à la fin de cette semaine. První produkty do Irska jsme začali posílat z Anglie a bylo to na začátku tohoto roku. On a déjà envoyé les produits, les colis de la part de Royaume-Uni en Irlande et c'était au début de cette année. A pro zajímavost, aktuálně máme v Irsku 1200 distributorů. Ce qui est intéressant, que l'Irlande compte actuellement environ 1200 membres. Minulý měsíc se kvalifikovali v Irsku dva zlatí manažeři. Mm-hmm. Et depuis que nous avons commencé, on a déjà deux membres qui sont qualifiés pour le Golden Manager. A minulý měsíc Irsko udělalo obrat 140 tisíc bodů. Alors, et le chiffre d'affaires de Irlande du mois précédent, c'était kolik jste říkal? 140 tisíc. 140 tisíc. C'était 140 000 points. A dva dny zpátky mělo Irsko obrat 120 tisíc bodů. Et il y a deux jours que le chiffre d'affaires pour l'Irlande, c'était 120 000 points. Takže bychom chtěli všichni Irsku popřát mnoho štěstí a úspěchu. Alors, on voudrait bien de dire à l'Irlande bonne chance, bon succès. A věřím, že na konci roku překročíme v Irsku obrat 350 tisíc bodů. Et on croit que à la fin d'année, on va avoir plus que 300 000 de points pour le chiffre d'affaires. A tímto bych chtěl trošku namotivovat Francii. Oh, comme ça, j'aimerais bien de motiver un petit peu les membres de France. Protože i vám, francouzským distributorům, nabízíme na naší pobočce 100% servis a plný sortiment našich produktů. Et voilà, parce que aussi à vous, on propose à notre succursale française tous les produits, tous les points que vous pouvez bien être motivé pour gagner le plus.
A ještě jednu informaci ke dnešnímu webináři, protože je to první webinář pro francouzsky mluvící distributory. Každý z našich webinářů se nahrává, to znamená i ten dnešní, a informaci o jeho umístění a dostupnosti vám pošleme aktualitou. Alors, encore une autre information pour notre écouteur d'aujourd'hui, parce que c'est le premier webinaire qui est en français. Tous les webinaires sont postés au YouTube plus tard et on va vous donner toutes les informations nécessaires via actualité où vous allez trouver le webinaire en ligne. Takže teď na závěr bych chtěl poděkovat Andreji za perfektní překlad, byla to její premiéra. Et pour clôturer ce webinaire, j'aimerais bien de dire merci à Andrea pour bonne traduction. Vám všem bych chtěl popřát všechno nejlepší i vašim rodinám. Uvidíme se za měsíc. Et à vous aussi, merci beaucoup pour ce webinaire. Restez en bonne santé. C'est à vous et aussi à votre famille. On va se voir dans à peu près un mois. Dávejte na sebe všichni pozor, protože stále bojujeme s pandemií koronaviru. Comme j'ai déjà dit, restez en bonne santé parce qu'on toujours battre avec la avec la pandémie de Covid. A těším se na další setkání s vámi. Et je suis ravie de vous revoir dans un mois, c'est comme ça parce qu'on peut pas se voir en personne. Takže se mějte hezky. Merci, à bientôt. À bientôt.